Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi 27, il est quasiment 8h, il est 7h52. Beaucoup de mal à me lever. Beaucoup mal à me lever, mais j'ai dû mettre mon réveil puisque j'ai rendez-vous à 9h30 pour mon rendez-vous hebdomadaire au dentiste. D'ailleurs, il faut que je remette mes prothèses parce que je ne peux pas partir avec le petit paiement du matin. Je suis en train de faire mon café pour la seconde fois et donc j'en ai déjà bu un, mais Marie qui t'attend en l'air a oublié de changer la dosette. Ouais. Donc, alors, quoi de neuf depuis qu'on s'est vu vendredi? Donc, samedi matin, j'ai travaillé. Vendredi, je vous avais dit que du coup, j'étais prolongée jusqu'au 31 juillet. Du coup, samedi, avec ma chef d'équipe, donc on a revu ensemble le planning. Donc là, je suis jusqu'au 31 juillet pour reprendre pour un autre remplacement, toujours au même endroit. Juste changement de car du 4 août au 17 août et après je reprends au lundi 17 inclus et après je reprends le samedi 22 jusqu'au 4 septembre. Donc voilà, là ça va être dur toujours. Du coup, pour les vlogs, il y aura j'essaie de faire un vlog blabla dans la semaine. En début de soirée, mais pour tout ce qui est l'album qu'on devait faire en live, je vous ferai en tuto parce que ça va être beaucoup plus simple pour moi. Je vous ai posé la question sur le groupe tout simplement parce que là au moins je pourrais le faire en plusieurs étapes. Si j'ai 10 minutes, et bah tant pis, je pourrais faire 10 minutes déjà, préparer mes papiers ou voilà, ça va être beaucoup plus simple, ce sera plus de montage, mais voilà. Je prends mon café. J'en ai mis partout. Donc voilà pour ça. Ah, donc samedi matin, j'ai travaillé à la ZAC. L'après-midi, j'ai fait des commandes. J'en avais fait une le vendredi soir avec le t-shirt pour le café. J'en ai traité trois dans l'après-midi. Je suis très très contente. Et voilà, j'ai bien avancé. J'y vais avec mes collègues aussi, enfin avec certains de mes collègues. Je vous ai dit que je cherchais des bustes. Du coup, j'avais trouvé un pas cher, 12 euros un buste femme. Mais j'avais dû annuler parce que pour le rendez-vous j'ai oublié que j'avais Alexia qui venait, alors ça remonte là, parce qu'elle a eu son bébé. Et j'avais repris contact avec la personne pour fixer un rendez-vous, mais j'avais jamais eu de nouvelles, donc je suppose qu'elle a dû le vendre entre deux au lieu de m'attendre comme c'était prévu. On devait se voir la semaine d'après. Donc du coup j'en cherche, parce que j'en veux plusieurs, depuis mes débats chers. Et en fait c'est dans la nuit de vendredi à samedi, enfin, voilà, vous savez bien que tout me tracasse, que j'ai réalisé que à l'époque où déjà je travaillais à la ZAC, souvent les magasins en jetaient à la poubelle. Donc oui, donc du coup Marie qui s'en est matin avait demandé à ses collègues si jamais ils envoyaient qui pensaient à moi, et étant donné que en plus beaucoup de magasins vont fermer. On a CA qui ferme là début septembre. On en a un autre magasin Hum aussi qui doit fermer, mais on ne sait pas encore quand. Et là, je pensais que mon voisin était totalement parti chez Jules, mais là apparemment, d'après mes collègues, il travaille aussi dans ce fameux magasin là. Donc je vais essayer de voir avec lui directement s'il peut m'en avoir un. Oui, vous avez vu, j'en veux un, moi aussi. J'en veux quatre. Je ne dirai pas lesquels, mais j'en veux quatre. Donc, normalement, peut-être que par CA à voir. Donc, ça, et dimanche, donc j'avais annulé le live pour me reposer avec Jonas et à manger dans le lit. J'ai tenu une demi-heure.
On a quand même regardé des dessins animés, des films ensemble et des dessins animés. Mais j'ai tenu une demi-heure longue. Ouais, c'est pas moi de rester à manger. Surtout là, on va dire que j'ai une activité intensive entre la boutique et le travail. Et le fait de rester à manger, alors que je sais que j'ai pas mal de trucs à faire, voilà. J'ai reçu aussi une autre commande dimanche qui est déjà traitée. Alors, je suis désolée pour celles qui. Les quatre qui sont encore en attente. Je sais que vous m'avez dit que c'était pas pressé, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous traiter cette semaine. Le body, j'essaie de le faire après mon rendez-vous au dentiste, au moins mon fichier. Si j'informe vraiment mes fichiers ce matin, comme ça, j'aurai plus qu'à imprimer, à découper ce soir. Donc, j'ai une personne qui m'avait commandé déjà les quatre t-shirts que je vous ai montré, de noir, de rouge, avec marqué la ronde dorée, qui voulait deux autres t-shirts et deux bracelets pour ses petits-enfants. Mais comme pour les quatre t-shirts, elle part en vacances dimanche, donc il fallait avant dimanche. Donc, j'ai traité la commande dans la journée. Elle m'a demandé déjà si c'était possible, donc j'ai dit oui. Et du coup, la commande est déjà en boîte aux lettres. Donc, j'espère que normalement, elle devrait l'avoir pour samedi. Et du coup, donc, dans les bracelets, elle m'a commandé deux bracelets, vous savez, en ruban, comme je fais en boutique, qui a d'ailleurs très bien marché. Il faut que j'aille en racheter. Avec le prénom de l'enfant devant et à l'intérieur le numéro de téléphone de la maman pour tout ce qui est les campings et tout, la plage. Et j'avoue que c'est une très très bonne idée. Donc voilà, c'était la petite nouveauté aussi. Je peux mettre directement dans enfant, faut que j'aie pas osé à mettre directement dans la catégorie enfant. Donc ça. Avec quoi d'autre? Et j'ai fait le test aussi pour le doudou à Lana. Il y a un bout de temps, j'avais vu sur Pinterest, c'est moins de 15 jours, si c'est pas 3 semaines, un doudou avec dans les oreilles. Alors là, c'était trois prénoms d'enfants, et puis il y avait des. Alors c'est en anglais, alors les chiffres, je sais plus trop ce que c'était, il y avait une date, ça c'est sûr. Et du coup, je cherchais un doudou. Je disais à Lana que je voulais un doudou, acheter un doudou pour tester. Que. Désolée, je ne savais pas pour qui faire et tout. Et elle m'a proposé de prendre sa mini et de faire avec pour elle, du coup. Donc, du coup, je l'ai fait. Le rendu sur la mini n'est pas si top top que ça. Voilà, il y a des défauts. C'était un premier test. Hein. Mais voilà, il faut que je trouve des doudous sympas. Ouais. Ça, c'était le test d'hier soir. Donc, ouais, et j'ai fait ma compta. C'est tout ce que j'ai fait hier. Pas grand. Pas grand-chose. J'ai quand même passé plus de 2 heures. Voire 3 sur ma compta. Il me reste juste les 4 commandes en cours à faire parce que j'ai pas encore fait les factures. Mais voilà, ça c'est fait. Et je suis contente parce que ça fait déjà ça de moins à faire. Donc voilà. Bon, j'ai encore une to-do list énorme. Mes rappels sur Google Agenda, ils sont. J'ai commencé la semaine avec 12. Et je suis actuellement à, je vais vous dire ça. Non, c'est pas Google que je vais ça changer. 15. J'ai commencé quand même la semaine avec 12. Hein. Sachant que j'en ai fait 2 lundi, 2 mardi, 3 mercredi, 3 jeudi, 2 vendredi et 7 samedi. Et 4 dimanche. Ouais, voilà un peu le désastre de Marie. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je crois que j'ai assez blablaté comme ça. Là, maintenant, il est quelle heure? 8h07. Je vais aller me laver. Ah non, hier, j'en ai profité. J'ai enfin pris un bon petit bain. Ça fait trop du bien. À rien faire. J'ai bouquiné. Et j'ai réussi enfin à finir le livre que j'ai commencé il y a 3 semaines. Ouais. Je me cache. Bref, du coup, là, je vais aller me préparer, me laver les dents quand j'aurai fini mon café et puis voilà. Allez, je reprends après. Re-coucou tout le monde, comment allez-vous? Bon, il est tard. Désolée, je risque de parler mal. En plus, je me suis tachée en buvant mon café puisque la dentiste m'a anesthésiée ici. Du coup, je parle mal. Alors là, vous entendez en plus mon imprimante puisque je suis en train d'imprimer le bon de commande de la commande qui est arrivée ce matin. Donc, c'est une commande de Sandra. Donc, voilà. Et hop, ça, comment son bon de commande. Et là, il me faut mon appareil.
qui est là. Et du coup, c'est un sac shopping noir, inscription des deux côtés. Du coup, je vais en sortir un tout de suite. Hop. Il m'en restera deux. Ouais, vous voyez, c'est un peu le bordel. J'ai pas le temps de faire ma chambre encore. Il y a pas longtemps que je suis rentrée. Hop là, j'étais en train de discuter rapidement de choses que j'ai apprises et qui ne me plaisent pas du tout, de je sais pas du tout. Je ne vous en parlerai pas, mais voilà. Ça me gonfle, ça me bassine. Je suis toute seule dans mon coin et qu'on vienne me faire chier, me critiquer, ça me gonfle. Donc, chacun chez soi, regardez midi. Regardez midi à votre porte. Enfin, vous avez compris? Ça m'énerve, ça y est, je suis énervée. Du coup, je vais travailler énervée. Voilà. Hop là, donc. Hop là, donc là, vous voyez, le sac, c'est comme ça que je m'organise. Le sac, le bon de commande avec. Je mets tout de suite ma petite carte, je vais écrire un petit mot juste derrière. Cette bonnette va aller rejoindre tout en, la pile tout en bas des commandes. Oui, c'est ça, tout en bas. Je suis en train de réfléchir, mais oui, tout en bas. Hop là, ce qui manquerait 5 à traiter, j'ai éteint mon ordinateur, allez savoir pourquoi en vous plaçant là. Il faut que je voie si j'ai le temps de travailler sur le design du body pour le faire ce soir. Quoi d'autre? Je sais. Ah oui, je voulais vous montrer le doudou Lana. Je vais le chercher. Donc, me revoilà. Donc, c'est une nouveauté qui va arriver très bientôt en boutique. Mais vous pouvez déjà, d'ores et déjà, prendre contact. Parce que je ne sais pas encore comment je vais le mettre. Donc, je vais prendre la photo, le doudou en photo. Et je mettrai sur commande, de façon à ce qu'on voie ensemble, quel doudou, quel tarif vous voulez mettre. Je suis désolée. Avec l'anesthésie, j'ai énormément de mal à parler encore plus. Quel tarif vous voulez mettre? Parce que voilà, moi, là, le doudou, j'ai payé 12 euros à Primark. Après, voilà, tout dépend. Tout dépend ce que vous voulez comme doudou. Tout dépend un gros, un petit, un moyen, juste un petit. Après, c'est possible aussi, je veux tester, peut-être en faire un sur Jonah. Vous savez, les toutes petites peluches avec le grand truc qui pend. C'est aussi possible sur ça, donc voilà. Ça va être mis en boutique soit cet après-midi, soit ce soir. Donc vous l'aurez quand, normalement ça devrait déjà être en ligne, quand vous verrez ce vlog. Je mettrai juste sur commande et prendre le contact comme pour les devis d'album photo. Donc voilà, ça, quoi d'autre? Je voulais customiser un truc avant d'aller travailler, mais je ne vais pas avoir le temps. Et ouais, on va. C'est le doudou à Lana. Je vais mettre sur mon lit. Elle récupérera ce soir. Ouais, je pense que c'est tout pour le moment. J'ai peut-être trouvé une page pour un album. Je sais pas si je vous l'ai dit. Reste à travailler, à voir un petit peu dessus ou pas. Quel modif je pourrais faire. Enfin voilà. À réfléchir. Mon PC est en train de se rallumer. Du coup, il faut faire que je relance tout. Et ouais. Non, vous allez bientôt avoir des tutos. Je voulais faire du mix and media hier, mais j'ai fait ma compta et du coup, je l'ai pas fait. D'ailleurs, il faut que je me tienne à jour tous les jours dans ma compta. Donc là, ouais, j'ai le temps. Je vais me poser dessus. J'ai deux trucs à ajouter. J'ai le prélèvement du site qui est tombé ce matin, qu'il faut que je mette. Et du coup, la commande là. Faut que je m'y mette à le faire tout. Quoi que je le ferai ce soir. Il faut que je m'arrive à me poser tous les soirs avec un. Ne serait-ce qu'un café pour le faire. Donc, bon, allez, moi je vous reprends un peu. J'essaie de vous reprendre avant de partir travailler. Promis. Coucou tout le monde, me revoilà. Il est 9h15. Je viens d'arriver. Je suis en train d'essuyer mon petit plat qui était dans le lave-vaisselle pour pouvoir me faire à manger. Enfin, non. Me faire chauffer à manger, monsieur à faire manger, donc ce sera des spaghettis à la bolognaise. Jojo est déjà en train de manger, donc je vais vite faire mon assiette et le faire chauffer et le rejoindre. Voilà, c'était juste pour faire un petit coucou là tout de suite. Des petites choses à vous montrer après, c'est dans ma chambre. Et on va revenir sur un petit point par rapport à mes posts. Et ce sera la dernière fois parce que je veux vraiment que la personne ait le message. Donc comme ça, ce sera clair et net. Là, forcément, elle l'aura. Et après, je n'en reparlerai
plus. Donc voilà, pour ça, la journée, ça a été. Ou sinon, voilà. Moi, je vous reprends après manger. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Re-coucou. Bon, ça y est, j'ai mangé. Il est 20h41. Alors oui, je suis ici devant, sur mon lit, devant... mon fond qui n'est pas un fond, hein. Tout simplement parce que je viens de vous tourner la vidéo de intro, la vidéo d'outro pour la vidéo sur la... je vais trouver le nom, hein, la vectorisation, voilà, que je dois vous tourner depuis un bout de temps. Je l'ai tourné déjà la semaine dernière, je crois, mais il me restait les deux vidéos intro, outro à faire. Ça y est, c'est chose faite, je vais m'occuper du montage, donc tout à l'heure. On va revenir vite fait donc sur le fameux message où je vous ai posté en story Insta sur le groupe et sur mon mur, parce que je tenais à tout prix à ce que la personne qui n'a pas la franchise de mettre son... sa vraie adresse mail, le numéro de téléphone, je n'ai pas essayé parce que ça se trouve c'est un numéro faux aussi, et si ça se trouve en plus elle a beau avoir mis des faux numéros, ça se trouve il est quand même attribué, hein, on sait jamais, ça se trouve elle s'appelle même pas Virginie. Donc la personne se passait pour Virginie Diaz, donc je ne connais pas, hein, le nom ne me dit rien, qui m'a écrit ce joli message donc sur la boutique. Donc elle a été sur le produit t-shirt débardeur blanc réveil en cours, et dans m'a laissé un message. Alors il serait, je vous lis le message. Il serait temps d'avoir enfin ta propre personnalité au lieu de pomper sur Charlène. Les je me fatigue, c'est elle. La bosseuse, c'est elle. Bref, vis ta vie, pas celle des autres. Ce n'est pas une critique, mais juste pour ouvrir tes yeux, pour t'ouvrir les yeux. Bonne journée. Alors oui, c'est tout à fait une critique. Les « je me fatigue », alors certes, Charlène le dit. Oui, elle le dit. J'ai passé énormément de temps en vidéo avec Charlène, en visio du matin au soir. Donc si je reprends cette expression, bah, c'est un petit peu comme tout le monde en fait. Au fur et à mesure d'entendre des choses, on les répète. Sachant que Charlène n'est pas la seule à le dire. Mon amie Julie le dit sans arrêt. Quand je dis sans arrêt, c'est que sa fille a une garde-robe du tonnerre. Et quand elle m'envoie des snaps pour me montrer les nouveaux trucs qu'elle a achetés, elle me dit tout le temps, je me fatigue toute seule. Je me fatigue. Ah oui, je te fatigue toi aussi. Voilà, elle le dit sans arrêt, que ce soit pour ses pubs, pour ses livres, tout. Elle le dit tout le temps, au moins une fois par jour, je me fatigue. Donc ouais, peut-être qu'au fur et à mesure, je le dis. Personnellement, je me rends même pas compte que je le dis. Bref. Comment dire? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne reprends pas du tout sur Charlène, puisque pour des raisons qui me sont propres, je ne regarde pas ses vidéos. Je ne vais pas sur son Instagram. Je ne vais pas sur sa boutique. Les deux seules fois où j'y suis allée, c'était avant qu'elle vous lance l'ouverture. Elle m'avait envoyé le lien pour que j'aille voir sa boutique. Donc c'est la dernière fois que j'y suis allée. Donc je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc comment la copier si je ne sais pas ce qu'elle fait, hein? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas dû voir ses vlogs. Si elle les fait toujours, hein, étant donné que je ne vais pas sur sa chaîne, je ne sais pas. Ensuite, j'ai mon Jojo qui vient de rentrer. Ensuite, je ferai mieux de bosser, c'est ça, hein? C'est ce qui m'a le plus... oui, la bosseuse, c'est elle. C'est ce qui m'a fait le plus tiquer. Je suis désolée, mais il me semble que je bosse assez beaucoup, que ce soit pour ma chaîne. Là, en ce moment, je travaille en plus, normalement. Certes, ma chaîne est au ralenti en ce moment, mais je vais très vite reprendre oui. Du poil de la bête, vous remettre plus de vidéos de scrap, parce que comme je vous l'ai déjà dit dans un ancien vlog, à la base, c'est une chaîne de scrap. Donc, ce week-end, normalement, je ne travaille pas. J'ai mon samedi, dimanche. Je compte bien vous tourner plusieurs, trois, voire quatre vidéos, si j'y arrive, de scrap. Pour changer un petit peu, j'espère aussi avoir le temps de vous retourner une page. J'en avais trouvé une, mais trop elle ne me plaît pas, donc il faut que je retrouve une autre. Donc voilà, il va y avoir des vidéos qui vont reprendre. Oui, tu peux manger le chocobon. Donc voilà, je l'ai posté partout, je le mets ici aussi, parce que je veux à tout prix que tu aies ce message, Virginie. Parce que ton mail était un faux, j'ai voulu rédiger le message que tu as pu voir ou pas. Hein? Et cassé. Que tu as pu voir ou pas, je ne sais pas, un peu partout. C'est pas mon genre de faire des coups de gueule, d'afficher des messages comme ça sur les réseaux. Je suis quelqu'un de simple, qui n'aime pas les prises de tête, qui n'aime pas les coups de gueule. Et voilà. Et là, en fait, tu m'as forcé à en parler ouvertement et ça me fout les nerfs complètement. Pour ce qui est de bosser ou pas, alors j'essaie juste d'ouvrir une page. Allez, en plus j'ai plus de batterie.
Là, ça y est, je me connecte. Hop là. Ah, ça doit faire une fracture crânienne, incroyable. Tu perds tête. Donc, pour quelqu'un qui ne travaille pas juste sur ma boutique depuis qu'elle est ouverte il y a un mois, j'ai quand même eu 32 commandes. Oui, quand même, pour quelqu'un qui ne bosse pas, qui a quand même un autre travail depuis plus d'une semaine quand même en plus, qui a aussi sa vie de famille, qui a aussi tout le reste. Voilà, il me semble que je bosse plutôt pas mal. Donc, j'aimerais bien savoir ce que toi tu fais comme métier. Et voilà. D'ailleurs, un petit message qui fait très plaisir et où, encore une fois, je ne pense pas que Charlène l'ait fait. Coucou Marie, tu vas bien? Un superbe travail que tu fais là. Ma fille arrive mercredi. Je vais lui montrer le t-shirt Be Happy. Je te dirai quoi si on est intéressé. Je voudrais te signaler. Hop là. Donc, voilà. Donc, voilà. Je pense que tout a été dit à ce niveau-là. Je n'en reparlerai pas. Si tu as d'autres suggestions, tu as mon mail, hein. N'hésite pas, ça restera entre nous, hein. Bien évidemment, je me ferai plaisir de te répondre. Essaye au moins de donner tes vraies coordonnées ce coup-ci, puisque quand on dit quelque chose comme ça, au moins on a la décence de mettre un vrai mail. Ensuite, avant d'aller travailler, ils sont là, chose que apparemment je ne fais pas, hein. Je suis repassée à la mercerie parce que ces petits bracelets-là ont fait fureur. J'en ai déjà vendu plutôt pas mal, j'en ai encore un à faire, un à envoyer. Désolée, j'ai un truc, hein. Du coup, bah, attendez que j'ai fait les quatre noirs, bah, j'ai repris mes coups-ci carrément 2 mètres. Donc je vais les couper tout à l'heure, comme ça ce sera prêt et je pourrai remettre le stock en boutique. Oui, je sais, tu en veux un. J'ai Jonah qui fait le pitre derrière en pyjama. Pareil, le émeraude, donc celui comme je me suis fait, il est vraiment parti, il m'en restait plus qu'un. Donc du coup, j'ai repris 2 mètres. Donc dans 2 mètres, j'en fais 4. J'en fais 8. Là, j'ai pris des 1 mètre parce que ce seront des nouvelles couleurs. Donc j'ai pris du bleu marine. Alors, ce n'est pas blanc, c'est écru. Du rouge. Du bleu ciel et un espèce de marron taupe. Oui, il est beau celui-ci aussi. Il est beau, il est beau. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Donc voilà un petit peu. Donc ça va être les nouveautés. Donc ce soir, qu'est-ce que j'ai prévu de beau? Jonah, vous avez regardé un dessin animé, je crois. Oui, c'est. Putain, je regarde ça, c'est les heures, c'est sur la 9. C'est. Ah, des pêches! Bon, il sait plus. Moi, mon programme, ça va être rentrer ça, du coup, en boutique. Rentrer ça Le en nom, c'est boutique. les 12 travaux Les d'Astérix. 12 travaux d'Astérix. En mode devis. Vous montez, du coup, la vidéo sur la vectorisation. Et si j'arrive à vous la mettre, si elle rend bien et qu'elle me plaît, j'essaierai de vous la mettre demain soir. Donc, pour vous, ce soir. Ou mercredi soir, donc pour vous demain soir. Donc voilà, là je vais tester, on va bien voir, et puis de toute façon, bah, je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure. Recule tout le monde. Bon, 22h48. Non, pas bonne nuit, mon cœur. Regardez. Oui, attendez. Je me suis perdu mes mots. J'ai le montage sur la vectorisation qui est en train de charger sur YouTube. Je suis actuellement en train de faire la miniature. Que j'ai un peu de mal. Mais c'est pas grave. Je vais y arriver. Hop là. Donc voilà. Ça avance doucement. Je suis contente. Ça fera déjà ça de fait. Hop là, j'espère que cette vidéo vous aidera, vous plaira aussi. En tout cas, elle a été faite pour, hein, vous me l'avez réclamée. C'est pas une vidéo que je pensais faire en fait. Et du coup, là, vous me l'aviez réclamée. Donc, bah, je vous la fais, hein. Chose, pas chose promise, chose due, mais
C'est un petit peu le truc, quoi. Donc voilà. Ah mince, je fais des bêtises. Voilà. Voilà. Bon, moi je continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je réfléchis. Ce logo-là, il m'a la poubelle. Silhouette là. Fumer, c'est mauvais pour la santé. Ça va? Oui, grand-mère. En majuscule, silhouette, poète, poète. Non, c'est pas ça. Non. Vous voyez, j'ai Jonah qui regarde un film. Il cherchait quoi regarder parce qu'il n'y avait rien qui lui. Il n'y avait rien qui le tentait. J'espère juste. Je suis désolée. YouTube va pas me bloquer. Mais il cherchait quoi regarder et il n'y avait rien qui lui faisait la télé. Tout compte fait, le dessin animé ne lui plaisait pas du tout. Pour rappel, il regardait Astérix et les 12 travaux d'Astérix. Et du coup, il était sur Netflix, il cherchait. Et j'ai vu qu'il faisait ce film-là l'autre jour. Donc, du coup, j'ai dit, bah regarde, tu vois, c'est marrant. Donc, tu aimes? Et il aime. Donc, Mange une main de coup de pied. Mange une main de coup de patate. Je t'ai dit, il est trop fier avec son costume. C'est le smoking, du coup. Avec le costume qu'il a, le deuxième, et ben, il est moins puissant que l'autre. Ah bon? Ouais. Mais je pense qu'il va l'enlever. Comment je vectorise une image? Je vais réduire parce que là, taille 588, ça fait un petit peu beaucoup. Il me semble que je vous ai dit, hop là. Je peux mettre. Je vais vous mettre en gras, mais je peux pas, apparemment. Est-ce qu'il y a une écriture? J'ai mal là. Il marche sur les humains. Il marche quoi? En fait, il y a la tête de les jambes et il y avait plein de monde autour. Et les gens, ils mettaient des coups de pied, du coup, il avançait et il marchait sur les humains. Yeah. Je suis en train de chercher. Non, non, pas le méchant. Une image. Bonne image. Une écriture. Oh, j'aimais bien l'autre, mais. Trop fini. Ah non, il a volé. Attendez, je raccroche, je reprends après. Recucu, 23h15. J'ai mis ma vidéo à charger sur YouTube. J'en ai mis Tarzan maintenant, mais en fait, qui regarde pas. Elle est bien. Ma vidéo me plaît bien. J'ai juste oublié un petit détail. Et du coup, bah, je vais juste la remettre à s'exporter, à se remettre, et puis ce sera parfait. Donc voilà. Ouais, je la remets à s'enregistrer, et puis voilà, je la remettrai demain. J'aurai pas besoin de la revérifier en plus. Donc ce sera nickel. Je vais juste supprimer l'ancienne. Voilà. J'ai rien, putain. Je réécris mon titre. Silhouette. Comment je vectorise une image. Voilà. Hop. Du coup, ce que je vais faire, j'arrive. J'ai mis pause parce que ça me fatiguait. On se déjà Jonah. J'allais dire quelque chose et je me suis perdue. Voilà, c'est ça, Marie. Je vais aller au dodo, oui, parce que demain matin, je remets mon réveil encore à 7h30, puisque là, j'ai rendez-vous à 10h chez LH Communication. Alors, je vous en ai parlé. Donc, si vous avez vu, si vous avez suivi mes vlogs, pardon, vous savez de quoi je parle. LH Communication est un groupe qui s'occupe de tout ce qui est communication pour
les auto-entrepreneurs, les artisans et tout ce qu'on veut bien. Et donc ils avaient vu mon nom avec mon, quand j'ai mis mon numéro de tiré et tout, et ils avaient pris contact. Et du coup, c'est eux qui s'occupent de voir pour refaire mon logo, mes flyers, ma carte de visite. Donc demain, donc ils m'ont appelé la semaine dernière pour finaliser mon dossier. Et du coup, demain, j'ai rendez-vous pour finaliser le cahier des charges qu'on avait déjà bien établi ensemble. Donc voilà, et puis après ça va y aller à gogo la communication sur WhatsApp de façon à ce que je regarde un petit peu les propositions qu'ils vont faire. Donc je leur ai dit que je voulais garder à peu près le même logo que j'avais. Après je vais voir les propositions qu'ils vont faire. Donc peut-être que ça va être juste amélioré, peut-être que ça va être complètement changeant. J'ai vraiment mal. Alors que je sais que ma dentiste la semaine prochaine. Car oui, c'est toutes les semaines la dentiste. Ça et du coup qu'est-ce que j'allais dire, oui, donc du coup j'ai rendez-vous avec eux, donc ouais, sur WhatsApp on va voir, ce sera la surprise, mais j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont me proposer. Ouais, j'ai mal. Bref, du coup moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très bonne nuit. Si tu veux t'abonner, c'est ici. Ouais, j'ai envie de changer de côté, je crois. Non, tu préfères ici. Alors, si tu veux t'abonner, c'est ici. Si tu veux voir le dernier vlog, c'est en haut. Et si tu n'as pas vu la vidéo sur la vectorisation, est-ce que cela t'intéresse, c'est en bas. Ouais, j'ai encore beaucoup de mal à parler. Allez, je vous souhaite une très, très bonne nuit. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau vlog.